Gamer Grand, le joueur le plus gourmand de tous les jeux vidéo. Trouve, chers amis, sur le jeu que j'ai oublié le nom, mais bien, on va l'appeler le nouveau jeu, voilà. Donc, on s'était laissé sur la quête, et heureusement, il y a les points qui est là. Ah, oh, purée, c'est horrible parce que. Oh là là! Oula! On doit y aller. Ah ouais, mais. Pas configurer le jeu, sérieux? Parce que le jeu, il bug, hein. Alors, on doit y aller par là normalement. Oh, t'as des fruits! On peut les récolter? On peut récolter des fruits! On peut manger? Pomme crépusculaire, un fruit dodu beau comme le coucher de soleil qu'on le peut voir un peu partout. D'accord? Ouvrir l'inventaire. On peut manger, non? Ok, on a une épée. Pas d'objet. Ah, c'est ici normalement. Source dans la nature. Ok, ça restaure des PV, d'accord. Et on peut l'utiliser. Bah non, vu que c'est plein. Qu'est-ce que je suis bête. Ah bah c'est bien quoi, si on a des PV et tout là, super cool. Ah par contre, j'aimerais bien qu'on enlève les animes. On n'a pas... Je fais vite fait une ellipse, c'est juste pour une config, parce que c'est pas normal que ça fait ça. Du coup, à tout de suite. Bon, bah, on peut pas configurer le jeu. Parce que, ouais, ça commence à chauffer, on va dire. On va devoir y aller là. J'ai vu qu'on avait ça, c'est le personnage, j'ai pas vu. Donc, on peut avoir des attributs. Oh, vraiment, la flemme à le lire. J'ai déjà mal à ça à la gorge. Donc, voilà quoi. On va le lire ça un peu plus tard. C'est vrai que c'est important de voir la base du jeu. Mais là... Ah, c'est joli ici! On se croirait à autre port. On doit y aller là-bas. Ah, je crois qu'on peut faire comment ça s'appelle? Des points de vie en sautant. Mais non. Oh, des pêches! Ah, c'est des baies, c'est pas des pêches. Bon, ça ressemblait à des bêches. Il est où, là, le truc? Je suis carrément dessus. Non, dis pas moi qu'il est en haut. Sérieux. Ah, c'est une blague. Allez, mec, tu peux le faire. T'as battu des trucs, toi. Oh, il est stylé, le gars. Hein. Ah oui, t'attends quoi à escalader, mon pote? Oh, purée, mais c'est une tortue! Ça sert à quoi ça? Ah, tu peux faire ça, je savais même pas. Ah, bah, juste pour y aller en haut. Vision d'oiseau. Allez voir Payne. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, une cinématique. Oh, c'est joli. Genshin Impact s'appelle, voilà. Je s'appelle comme ça. Ouais, j'avoue, il y a une statue des 7. Des 7 rois? Non. Ah bah maintenant tu peux cliquer, d'accord, super cool. J'avoue. Among the seven gods, this god controls the wind. Quoi, cette... Ok, c'est ici que Yasuo il habite. Il habite à Archon parce qu'il peut contrôler le vent. Tu comprends? Yasuo, c'est le maître, c'est l'exilé du vent et tout. Ok, non, laisse tomber. Bref, le truc hors sujet, sérieux. Oh là là. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but... Bah, je pense que oui, depuis l'histoire qui a été complètement buggée. Paimon will take you to the animal god's place first, and there's the reason why. Ah ouais, c'est quoi? C'est quoi ta raison? Pourquoi j'y vais? De voyage qui attrapa le vent. Oula, tu vas y aller dans les cieux, toi. As we all know, poetry and language flow like the wind. Ah ouais? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a du vent chez moi, ça me dit comme des poèmes. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the ah gods ouais? actually C'est qui va savoir sur ma sœur? Story. You never know unless you try. So let's hop to it. Bah oui, pas une minute à perdre.
Désolé si le jeu il est en bêta. Bon, en bêta, mais je rêve ou... Il y a un chat. J'ai envie de l'apprivoiser. Je veux avoir un chat, moi. Oh, mais tu cours trop, mon ami. Oh là là. Tu peux nager jusqu'à moi. Ouais, je peux nager comment? Ah, je peux nager carrément. Ah, c'est super. T'as toutes les fonctionnalités où tu peux nager. Ça me fait penser à des massas, sérieux, mais vraiment. Ouh, un truc bleu. Waouh, un truc bleu qui sort. Une sphère. Je deviens quoi, moi? Avoir un super pouvoir? Est-ce que je peux pouvoir donc invoquer des steaks? Ce serait super cool. Des petites steaks là. Alors, on se retrouve où? On est ici à lac tombe étoile. Et on peut dire que la toile, elle est tombée. Bref, la blague, elle est nulle. Donc, on va devoir y aller où? Je pense qu'on va devoir y aller à Falaise Arc-Étoile, non? Ah, c'est une blague, on va pas devoir y aller là. Je pense que oui, on va y aller là, parce qu'elle est axée. Et d'autres trucs, on peut pas y aller. Voilà, on peut pas. Donc, on peut y aller ici. On a ici aussi. Une guilde d'aventure. Point de téléportation. On peut téléporter ici. Mais on doit faire quoi? Ah. Donc, ils visent les étoiles, mais en attendant leur mission, ils relèvent davantage de la recherche des chats perdus ou de l'exploration de ruines décrépites. C'est bien beau, les aventures, mais il faut les financer. Nouvelle récompense disponible. Récompense d'aventure. Alors, ok, on doit y aller à la guilde des aventuriers. Ah, super cool. Quoi, téléportation? D'où c'est interdit, mon pote? D'où? Oh, purée. Qu'est-ce que c'est relou. Le bon chasseur, vent de la gloire. Ça veut dire que je suis ici. Et je vais devoir y aller à pied jusqu'à là. Mais c'est une blague, sérieux. On peut pas se téléporter, s'il vous plaît. Ah non, ça fait rien. Bon bah, let's go. Oh, did you just feel the elements of the world? Oui, j'ai senti que l'élément de ce monde, c'est de la nature. Il y a trop de verdure, quoi. Non, je sens qu'il y a de la magie, surtout. Oui, j'ai eu le pouvoir de animaux. Et ce que je peux te dire sur le animaux, je peux te dire que je vais te transformer en Nemo, quoi, tu comprends? Je vais lâcher des bulles là, vers blou, blou, blou. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of power as easily as you. Ouais, ça me paraît suspect. Moi, je suis toujours comme ça. Quoi? Suspect? Tu pourrais montrer un peu plus de respect pour ce cadeau des dieux, quand même. LOL! If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Ouais. La statue de la liberté. Ah non, la statue de la liberté. Because they worship the god of animal. La cité du vent. Entre la cité de la liberté et la cité du vent, c'est quoi le prochain truc? La cité des steaks, c'est ça? So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. Ouais. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your sister. On trouve pas mal de barbes. De bardes. Bardes. On trouve pas mal de bardes. C'est-à-dire quoi, barde le champion de League of Legends ou barde... je sais pas moi, ça veut dire quoi, barde? Barjo, c'est ça? Non?
Ouais. Let's move then. Ouais, c'est parti, t'as tout à fait raison. The elements in this world responded to your prayers and Paimon thinks that's a lovely sign. Ouais. Appuie pour libérer la compétence. Oh là là, j'ai fait un Kamehameha. What? Elle s'est divisée du plus qu'un. Mais vas-y. Meurs toi mec. Maintenir la compétence pour la charger et la rendre puissante. Kamehameha. J'ai vraiment insupportable, sérieux. Et pourtant je dis ça mais je connais même pas ce qui dit ça. Bon après si je vous dis mais... Oh vas-y j'en tue un, hey, il y a 10 millions qui vient. Je te dis, c'est Yasuo le truc. Le gars il te crée des... Le gars il te crée des tempêtes de vent. Version... Bah t'as qu'à devenir une fée aussi, une personne comme moi. Ok, on a eu un 9 groupe là de Tavy. C'est super cool, il nous manque des steaks aussi. On va devoir y aller là-bas. Oh non, j'aime pas l'eau. C'est trop loin. Oh, 526, mais tu te fiches de moi, j'ai pas que ça à faire moi. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a... Oh purée, il y a aucun checkpoint. Oh mais c'est une blague, c'est une catastrophe. Allez, on nage, mon pote, allez, on nage. Allez, tu peux faire ça, sérieux. Toucher avant temps de Paimon pour ouvrir le menu de Paimon. Paimon, pas Paimon. Ok, on peut... Gamer Gourmand, c'est moi, d'accord. Ok, on a une équipe, on peut avoir une équipe, super cool. On a des succès, ok. D'accord. Récompense spéciale. Elle, accompagnatrice. Oh, super cool. C'est ça. Voilà, vous aurez des cadeaux comme moi si vous jouez à ce jeu. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre à ce jeu, évidemment, pour pouvoir qu'on joue ensemble. Hein. Et ceux qui veulent pas, vous forcez pas, hein, venez pas. Mais vous pouvez venir, en tout cas, venir jouer avec moi et vous aurez des récompenses comme ça. Donc ça, c'est super cool. Vous aurez des ailes à 4 étoiles épiques, quoi. Ça, c'est super cool. Waouh. Une aile accompagnatrice. 4 étoiles. Je suis heureux. Oh là là, c'est le jackpot. C'est le jackpot. On a des steaks. En parlant de steaks, voilà. On a des gâteaux, je crois. On a du... du minerai de... Oui, on peut avoir des minerais aussi. Il y a aussi des donjons à skip. Du coup, on a plein de trucs. Super cool. Ok, let's go. J'ai bien vu la statue de Koh-Lanta, on est bien d'accord. Ça, c'est une statue de Koh-Lanta, ça. Ah, c'est nourriture, d'accord. On dirait vraiment une statue de Koh-Lanta, sérieux. Et on a des brochettes et des pommes. C'est bon, les pommes. On a des moras, conseil de l'aventurier, et des brochettes de poulet. Ok. Bon, bah, c'est super cool. On va pouvoir... Donc, ok, on a des annonces. Qui va me mettre sur Google, non? Ça va. On va pas y aller. Équipe aperçu inventaire. Inventaire. Et on va voir dans équipement, je crois. Non, c'est pas ici. Pas d'objet. Pas là. Ça c'est la bouffe. C'est où on peut mettre nos équipements? Qu'est-ce que c'est relou, sérieux. Aperçu. Ah, on peut améliorer. Monter le niveau de personnage pour améliorer ses attributs. Niveau supérieur. Ok, on peut améliorer avec ça, d'accord. On va le faire. Ok. D'accord. Du coup, on peut le confirmer. Ça coûte 1000, d'accord, ça va. Niveau 5. Niveau 6. Ah, d'accord, il te faut. Ok, vous pouvez les payer avec ça. Mais c'est saoulant. Ouais, mais la flemme, hein, je pouvais dire. Arme. Alors, non. Ok, on a des constellations. On fera ça un épisode spécial justement après. Mais je recherche comment on met des armes, s'il vous plaît. C'est dans le personnage normalement. Oh purée, mais qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est une cata... Ah bah tiens,
C'est bon, j'ai trouvé les paramètres. Il me fallait sensibilité, main de marche, graphique. Faible, bah c'est faible par défaut quoi. Ah, très faible, c'est super cool. Ok. Inventaire? J'oublie tout le temps où c'est qu'on peut ajouter nos équipements. Normalement, j'ai eu mes ailes, normalement. Qualité, niveau. Je sais pas où on met nos ailes. J'ai bien eu des ailes, on est bien d'accord, les gars. Pierre de la destinée. Conseil de l'aventurier. Ah ouais, par contre, les lags, c'est insupportable. C'est où les paramètres du jeu, please? Je crois que c'est là. Ouais, bingo. On va mettre les graphiques faibles. Voilà. Par défaut. Hein purée, ça c'est quoi? Ah, ça c'est l'heure, impossible de régler l'heure. Ah ouais, mais mec, aussi, tu me dis pas où se trouvent les ailes. Ok, mais ils se trouvent où? Source. Elles... Mais comment on les a? Bon, je fais une ellipse jusqu'à que je retrouve. Bon. Bon, je sais pas, hein. Je sais pas où j'ai mis mes ailes. Normalement, ils étaient à sa place, logiquement, mais bon. Bref, nous allons continuer l'aventure. Nous devons y aller à la ville. Allez, saute, sérieux, mec, t'abuses. Allez, on arrive jusqu'au bout des limbes et des décennies. Ah, mais le jeu, il a vraiment un problème de fluidité, on va dire. Wow. What? Oh, je te dirais que c'est un Pokémon, le truc. On peut pas retourner à notre maison et on fait des steaks. C'est une bonne idée, non? Oula, où je vais? Allez, on arrive. Quoi? Salut, mec. Non. Oh purée, allez, ok. Yeah, yeah, yeah. Ouais, astuce de combat, astuce de ton jeu qui bug, oui, regarde ce jeu. Il est drôle, j'aime bien le jeu de base. Il serait mieux s'il bug moins. Après, c'est normal. Et la config, elle est pas ouf, quoi. Avancer dans les bois. Bah ouais, elle est longue, hein, l'avancement dans les bois. Purée. Mais, on va continuer à la fois prochaine. Allez, ciao, 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 mes bros.